Un jour, un métier, proposé par l'ADMR 85. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Emmanuelle, technicienne d'intervention sociale et familiale. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier? Car c'est vrai qu'il est très très peu connu, ce métier de technicienne d'intervention sociale et familiale. Oui, en effet, c'est pas un métier que les gens connaissent. Donc c'est un métier principalement au domicile des familles. Donc on intervient à la demande des familles ou à la demande d'un travailleur social. On fait exclusivement du domicile. Il y a quelques métiers aujourd'hui qui sont hors domicile, mais ça c'est rare. On est un des premiers métiers en effet de l'ADMR. Oui, avant ça s'appelait aide familiale. D'accord, ça a été le premier métier de l'ADMR. C'est ça, où les anciennes collègues pouvaient intervenir des journées entières dans des familles pour apporter un soutien temporaire, que ce soit au niveau ménager, un soutien à la parentalité, un renfort. Oui, c'est un renfort. Voilà, pour les familles. Vous posez cette question-là pour quelles raisons vous intervenez? En fait, on vous sollicite pour de l'aide au ménage et puis de l'aide aussi, de l'accompagnement en fait, du soutien moral. Alors auparavant, c'était vraiment le tout premier métier, c'était vraiment de l'aide au domicile de ménage. D'accord. Voilà, c'était vraiment et un peu pour accompagner au niveau des enfants. Aujourd'hui, notre métier, il est en train de changer. On est sur un métier beaucoup plus social, où il y a un peu d'accompagnement sur la vie quotidienne, mais toujours en ayant l'idée derrière d'accompagner aussi au niveau des enfants. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas ranger une chambre d'enfants, on va les faire participer. On ne va pas faire les choses à leur place. On va accompagner dans le rangement, dans la réorganisation d'un logement, mais jamais on ne fait les choses à la place des gens. C'est toujours avec eux. C'est un métier que vous exercez depuis un moment, j'imagine. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Oui. Alors moi, j'exerce ce métier depuis 2004. J'ai fait ça à la suite de mes études. C'est une formation qui est sur 2 ans. Donc des études de quoi, Emmanuel? C'était des études de quoi? Alors moi, c'était un BEP service aux personnes, ensuite un BTS service en milieu rural, et j'ai enchaîné aussitôt sur ce métier-là, puisque j'avais une tante qui faisait ça, qui m'a fait découvrir ce métier. Et c'est un métier, je crois, qu'on fait par passion. Quand je suis rentrée là-dedans, c'était ça. C'était le plaisir. De pouvoir accompagner autant les enfants que les parents. D'accord. On n'est pas juste dans de l'aide auprès des parents, c'est vraiment sur toute la famille qu'on agit. Donc. Et c'était, moi, ce qui m'a vraiment motivée. Un métier passion, quoi. Passion, c'est ça. Je crois que si on n'aime pas ce métier-là, c'est pas la peine. C'est vraiment ce travail au quotidien avec les familles. Moi, j'aimais travailler avec les enfants, mais il me manquait quelque chose. Et là, j'ai trouvé un métier très complet. Alors justement, vous l'avez dit, ça fait une quinzaine d'années que vous exercez dans ce métier. À peu près, oui. Et votre métier, du coup, il a évolué forcément? Oui. Quand j'ai commencé, on pouvait intervenir 4 heures d'affilée dans une famille, où c'était un soutien très ponctuel au quotidien. Et petit à petit, on a été amené à faire de moins en moins d'aide au quotidien, et beaucoup plus d'écoute, de temps de jeu avec les enfants, beaucoup de discussions avec les parents sur leurs difficultés, sur qu'est-ce qui les amène quelquefois à avoir des comportements pas toujours adaptés, et beaucoup de soutien en fait, puisqu'on se rend compte que les familles sont de plus en plus seules chez eux. On a beau être à la campagne, mais j'ai fait ce métier en ville et c'est pareil, les familles sont très seules. Il y a de moins en moins de familles proches, il y a de moins en moins de relations entre les gens. Et c'est vrai que quelquefois, et les gens nous le disent encore aujourd'hui, on est un peu leur petite goutte d'oxygène dans une journée, puisqu'ils voient personne d'autre que nous, parfois. Et surtout en ce moment, Emmanuel, surtout en ce moment, avec cette crise sanitaire, oui. Des personnes très isolées, j'imagine que vous avez un rôle essentiel. Oui. Là, les gens nous le disent, les familles peuvent nous dire vraiment, ça fait du bien quand vous venez, on discute, alors on discute pas que de ça surtout, puisque, forcément on en a parlé au départ, mais voilà, c'est un sujet dont on parle un peu, on parle de leurs craintes, on essaie de les rassurer, en les informant quelquefois sur des choses dont ils ne maîtrisent pas, en dédramatisant aussi un peu les choses et en les accompagnant avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est la bienveillance, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre métier. En ce moment, c'est d'autant plus d'actualité, les gens sont vraiment bien quand on est chez eux et qu'on peut discuter et qu'on les écoute. Alors, c'est quoi votre quotidien, Emmanuel? J'imagine que c'est pas du tout routinier pour le coup pour vous. Pas du tout. Comment ça se passe vos journées?
Donc le quotidien, en fait, on intervient sur plusieurs, dans plusieurs situations dans une journée. Donc en moyenne, on est entre 3-4 familles par jour, quelquefois 5, où on va donc au domicile des personnes. Et en fonction des objectifs qui nous sont demandés de travailler, on travaille avec les personnes. Donc ça peut être sur en journée, on est plus quand les enfants sont absents, sur de l'aide au logement, de l'accompagnement à ranger, à mettre un peu d'ordre dans une maison, quelquefois de l'accompagnement à faire à manger, tout simplement, des gens qui ne savent pas forcément toujours cuisiner, ou au rangement du linge également. Donc notre journée, elle s'étend jusque 19h30, 20h à peu près le soir, puisque notre plus gros travail, c'est quand les enfants sont chez eux. D'accord. Donc quand ils rentrent de l'école. Et là, on fait un accompagnement donc sur les devoirs, où quelquefois, ça permet aux parents de prendre du temps au niveau des devoirs, pendant que nous, on gère les autres enfants, ou inversement, les parents peuvent se retrouver en difficulté au niveau des devoirs, et nous, on accompagne les enfants justement, que les parents se retrouvent dans une certaine limite, voilà, ils sont en capacité de faire ça. On joue avec les enfants, en fait, on amène les parents à prendre du temps avec leurs enfants, à prendre du temps pour jouer, à prendre du temps pour... justement, dans le jeu, il y a beaucoup de règles qui sont posées et ça permet, des fois, de poser un cadre, en fait, par le jeu. Quels sont vos secteurs d'intervention, Emmanuel, toute la Vendée? Vous êtes basé où, déjà? Alors, moi, je suis principalement sur le Nord-Vendée. Donc, c'est assez large puisque ça va donc pour le haut jusqu'à Saint-Philbert-de-Bouesnes. Ça s'étend après jusqu'à Cugan. On redescend un peu. Donc, on est sur Saint-Fulgent, Chauchet, Chavagne. On remonte après. On peut aller jusqu'à Dompierre. Mmh. À La Ferrière, il y a eu un moment. Dompierre. Et puis après, on remonte le Poiré-sur-Ville, la Genétouse, les Luxembourg-Boulogne, Rocherbière. Enfin, voilà. C'est vraiment un endroit géographique assez large. Donc, ça fait beaucoup de kilomètres dans une journée. Et j'imagine. Voilà, il y a ça aussi. On a beaucoup de familles. Ouais. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vrai qu'on est pas mal dans la voiture aussi. Après, la voiture permet, ce temps de voiture, il permet de décharger, en fait, entre deux familles. Parce que c'est pas toujours simple. Donc ça permet de réfléchir à ce qu'on a pu faire, de se remettre dans le contexte pour l'autre famille suivante. Et voilà, il faut des qualités d'adaptation dans ce métier-là. J'imagine. Dans une famille, il n'y a pas une famille qui se ressemble en fait. C'est important de ce temps de voiture. Quels sont vos projets, Emmanuel? Est-ce que vous voyez aller dans 10 ans technicienne d'intervention sociale et familiale? Oui, parce que j'aime vraiment ce métier. Aujourd'hui, j'ai un métier où j'ai... Alors, avec des contraintes horaires, certes, puisque voilà, je ne suis pas souvent là le soir pour mes enfants, mais j'ai un métier que j'aime, un métier passion, et qui se renouvelle sans cesse. Puisque quand j'ai commencé il y a 14 ans, ce n'était pas le même métier... C'est pas tout à fait le même métier qu'aujourd'hui. Donc, ça avance en même temps que nous, en fait. Donc, je pense pas que c'est un métier où on peut s'ennuyer. Après, jusqu'à la retraite, je ne sais pas. J'ai des collègues qui arrivent à la retraite qui ont fait toujours ça. Donc, voilà, je les trouve plutôt épanouis. Ah, bien, encore. Voilà. Donc, ça donne envie. J'espère faire ça encore quelques années, en tout cas, puisque voilà, j'aime vraiment ce métier-là. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, Emmanuel. Est-ce que vous avez un message à faire passer, justement, pour peut-être inciter certains de nos auditeurs à vous rejoindre, à rejoindre l'ADMR en Vendée? Je pense qu'il faut... C'est un métier qui mérite d'être connu, qui va, je pense, aller en se développant. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'ADMR quelquefois, ou même de nous. Moi, je suis jury d'examen et j'aime accompagner des personnes en stage. Et le stage est la meilleure chose pour connaître ce métier-là, en fait. Donc peut-être, des gens qui auraient envie d'avoir un travail dans le relationnel, qui n'hésitent pas à se rapprocher de l'ADMR, parce que voilà, on est formé, on est accompagné. Hein, faut pas hésiter, mais par contre, en effet, faut se lancer là-dedans en ayant conscience que voilà, on est au domicile des personnes. Donc, forcément, un peu seul, mais c'est une vraie richesse. Une vraie richesse, voilà. Voilà, c'est un métier extrêmement riche, autant humainement que socialement, que voilà. Un métier passion, vous l'avez dit, voilà, sans routine. Donc, si vous n'aimez pas la routine, ce poste est fait pour vous. Et puis, il faut aimer, bien évidemment, le relationnel aussi, aimer les gens, forcément, dans ce métier. C'est en tout cas, vous l'avez bien vendu, Emmanuel. Ça donne envie de rejoindre, l'ADMR en Vendée. Merci à vous pour votre témoignage, Emmanuel. On se retrouve très vite dans Un jour un métier pour découvrir un autre métier et parcours.
Retrouvez toutes les infos et les offres d'emploi sur www.admr85.org.